Jean-Marc, Ouais. quand vous dites qu'il y a une seule identité, ça veut dire que la question de la séparation est uniquement liée au fait qu'il y a une représentation mentale de soi-même Oui, et exactement. qu'on y croit? Exactement. Voyez bien que cette représentation mentale n'est juste qu'une pensée qui émerge en vous. Donc contentez-vous de voir cette pensée qui émerge en vous et par elle-même, elle va se résorber. Mais le vous qui désigne le continuum de conscience, lui, il se résorbe pas, il est toujours là. Par contre, la représentation mentale de vous-même, elle peut se résorber, mais pas le continuum à partir duquel cette représentation est expérimentée. Donc l'attention va passer, qui est tournée vers la représentation mentale de nous-mêmes, va se retourner vers la permanence de la conscience et se résorber en elle. Se dissoudre complètement dans la permanence de conscience. Évidemment, le réflexe d'identification au personnage, à la représentation mentale de nous-mêmes, peut par moments être réactivé dès que quelqu'un commence à vous parler, à vous dit, ah, comment tu vas, qu'est-ce que tu as fait de beau et tout ça. Donc immédiatement, il y a cette tendance à retomber, à reglisser dans cette représentation mentale de nous-mêmes. Si on est attentif à ce mouvement-là, ben, l'instant d'après, ce mouvement disparaît. C'est juste un mouvement dans le mental qui jaillit et se résorbe dans le continuum de conscience qui, lui, ne jaillit pas et donc ne se résorbe pas.